Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up comme vous voyez. Aujourd'hui on se retrouve pour un tri make-up. Je suis en train de faire le montage et je me permets de vous mettre sur pause quelques secondes juste pour vous prévenir que cette vidéo est très bruyante. Comme je bouge beaucoup de produits, ça fait pas mal de bruit. Donc je préfère vous prévenir avant de continuer la vidéo. Et je m'excuse d'avance du coup pour cette vidéo bruyante. Donc comme vous voyez, c'est un petit peu le bordel dans mon tiroir make-up, du coup je vais faire un gros tri. J'ai ma bassine juste là, dans laquelle je vais mettre ce que je ne veux plus, comme ça ma soeur elle viendra servir dans mes tiroirs, et je vais trier tout ça. Donc là on est dans le premier tiroir de mon meuble, et je vais sortir d'abord toutes mes palettes. Donc... je vais vous désigner. J'ai quelques palettes, je n'en ai pas beaucoup hein, honnêtement. J'ai eu une période où je me maquillais beaucoup, mais maintenant je suis plus du tout dans cette période là. Du coup j'ai le Volt de chez Morph Cosmetics, donc Jaclyn Hill, oui, il faut voir. Et donc il y a ces quatre palettes dedans, donc je les ai adorées. Et d'ailleurs je les adore toujours hein, mais juste je suis plus trop dans ma période de maquillage. Ensuite j'ai deux palettes chez Dubious Place. J'ai la Afrique et la Tribes. Elles sont trop belles. La Afrique et surtout celle-là, elle est vraiment magnifique celle-là. Elles sont trop belles. Après j'ai pas mal de palettes de chez BH Cosmetics. J'en ai une grande juste là aussi chez BH Cosmetics. Voilà, j'ai ça. C'est pas grand chose honnêtement. Ça c'est celle que j'utilisais le plus quand je me maquillais beaucoup. Et hop, j'ai l'air de me maquiller, je vais les enlever. Et donc voilà, j'avais essayé de trier tout ça par le bac. Donc j'avais des petits bacs là que j'ai acheté à Action. Mais du coup, c'est une catastrophe, c'est devenu une catastrophe ce tiroir. Donc voilà, on va trier tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais dégrossir tout ce qu'il y a. Je vais enlever tout ce qu'il y a dessus. Ça, c'est pinceau, ça n'a rien à voir. Voilà. Et ça. Alors, en dégrossissant, du coup, ça fait de suite plus rangé. C'est plus rangé. Donc voilà. Et je vais rester sur cette base là de rangement en fait. Je vais juste trier un petit peu parce qu'il y a des trucs qui sont là depuis l'ampère. Surtout au niveau du teint. Voilà. Pas mal de fond de teint et tout. Celui-ci il est trop bien mais... et puis il est très très liquide, c'est un sérum presque, ouais parce que c'est ça, c'est un sérum. Alors là il y a tout ce qui est teint, c'est pas trop le bordel en vrai, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y a dessus. Hop, du coup je vais repartir sans rien franchir. Donc là il y a tout ce qui est teint, bouche, style. Là c'est les crayons, je vais mettre le petit crayon là. Et j'ai plein de crayons aussi. Alors ça j'en ai 2 secondes. Des bases à paupières que je vais mettre dans le teint. Là il y a des liners. Ça c'est pour les sourcils. Je vais mettre là. Et je vais mettre tous mes petits crayons. Juste là. Alors j'ai 2 boîtes comme ça là. Je pense que je vais aller en chercher une autre déjà. Sûre, je pense. Ça rentre pas trop bien. Ouais, si, ça ira, ça ira. Là, c'est tout ce qui est. D'ailleurs, dans les mascaras, on va faire un tri parce que je dois avoir des mascaras ultra secs. Ouais, assez secs, poubelles. Je cherche même pas à comprendre hein, ces poubelles parce que il est trop sec. Et honnêtement, ça va pas. Ça, c'est sec. Je pense que quasiment tous les mascaras sont secs. Hein. Vous savez, après. Hein. Celui-là, il est sec aussi. Celui-là, je l'avais kiffé. Et là, c'est des paillettes. Non, ça, c'est bon.
J'adore le mascara de chez Louis Talache aussi. Alors, ça c'est bon. Ensuite, ça c'est un produit à sourcils. Ça c'est dans le rouge à lèvres. Et là, j'ai quelques monophares. Je vais aller chercher une petite boîte pour la mettre juste là. Voilà, je suis de retour. Du coup, j'ai pris une petite boîte carrée comme ça pour mettre les monophares. Hop. Là, non, ça ne rentrera pas. C'est quoi ça? C'est du liner. Ça, c'est du liner blanc, je crois. Ça, c'est à sourcils. Et ça, c'est des pré-sourcils. Mais maintenant, j'ai des extensions. Je n'ai plus trop l'utilité. Par contre, donc, voilà, là, les monophares. Et je vais prendre une autre. Aussi. Je vais mettre les trucs sourcils, genre ça, petite cire. Donc là j'ai mis cire et liner, les petits liners que j'ai. Là je vais, c'est mes liner cake. Il y a juste un petit taille crayon en plus. Attendez, je vais vous rapprocher. Je pense que vous voyez mieux là. C'est peut-être un petit poil mieux. Ouais. Donc là, c'est tout ce qui est échantillon. Échantillon, fond de teint, base, etc. Et tout ce qui est base pour les yeux, je vais les mettre là avec ça. Donc chez celle de chez Pédrise, j'en ai pas mal. J'avais fait un petit stock. Hop. Et là, il y a un autre liner que je vais mettre ici aussi. Au niveau des bases et tout, je crois que j'en ai dans un autre tiroir. Il y a des trucs que j'ai jamais utilisés, je vais les mettre de côté aussi. Alors, donc par exemple, ces deux, je les ai jamais utilisés, je vais les mettre de côté. Ça, je ne l'ai jamais utilisé non plus, je vais les mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'utiliserai pas et que je n'ai pas utilisé? Bah du coup, ce petit liner là, je vais le mettre aussi de côté. Voilà. Là-dedans, je crois que tout est utilisé. Donc je vais laisser. Pourquoi il y a un rouge à lèvres là? On ne sait pas. Voilà. Alors, on va se redécaler un petit peu. Niveau côté palette. Côté palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais re-ranger mes palettes comme je l'avais fait. Donc, je vais la plus grosse en bas. C'est la Bronze Juju chez BH Cosmetics. Voilà. Et en fait, je vais mettre comme rangement. Hop. Celle-là, c'est sûrement celle que je m'en garde parce que c'est celle que je vais avoir plus tendance à prendre si jamais demain je vais travailler. Ensuite, je le mets là et ici, je mets mes palettes teint. Voilà. Voilà pour ce tiroir. On va passer à tout ce qui est effets spéciaux. Donc on se retrouve dans le dernier tiroir. Enfin, du coup j'ai tout vidé. Hein. Et on se retrouve du coup avec tout ce qui va être plus effets spéciaux. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi. Donc je vais tout vider cette boîte. On va trier ensemble ce que je vais garder, ce que je vais pas garder. Voilà. Donc là j'ai des faux tatous, je vais les garder, ça prend pas de place, puis ça peut toujours être utile. Ça, je sais plus pourquoi j'avais gardé ça. Je sais plus, mais dans tous les cas, je vais jeter. Donc, j'ai des petites seringues. C'est des seringues comme ça, que je vais garder. Si jamais j'ai envie de faire des make-up un peu spécifiques, quoi, voilà, je les garde. J'ai aussi des petits pots de peinture comme ça, mais ça a l'air... Ouais. Non, ça va, c'est pas sec, donc je vais les garder. Mais bon, c'est un peu vieux. C'est des peintures pour le visage. Bah après, j'ai ma palette de fard gras, ouais. J'ai ma palette de fard gras qui est toujours là. Et ma poudre translucide pour les make-up un peu spéciaux. J'ai deux paires de lunettes, une blanche, une rouge.
pour faire, je sais pas, je me suis dit si jamais j'en avais besoin pour un make-up ou quoi, mais ça je vais mettre de côté. J'ai mes éponges à fond de teint, à fard gras, pardon. C'est pas très, comment dire, très écolo, mais c'est bien utile pour les fards gras parce que les fards gras ça tache ça a la tendance à tacher vraiment fort les éponges. Et du coup, bah, si vous voulez pas perdre vos éponges, ben bah, voilà, il faudra des éponges latex comme ça, de ce type, qui peuvent aussi être utilisées pour les ongles. Je ne sais plus parler. J'avais acheté ça à Jiffy, mais je n'ai jamais utilisé. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc je vais mettre dans le fond comme ça. Hop. Et j'ai des trucs un peu plus pro. Genre j'ai le latex de chez Criolan. J'ai ça. C'est une petite pâte en fait pour faire comme des prothèses, mais sur la peau. J'ai de la wax, du coup. Du faux sang. Donc j'ai plusieurs faux, j'ai plusieurs types de faux sang. Donc j'ai celui-ci, j'en ai un peu plus transparent, j'ai des trucs bas de gamme de chez Jiffy qui sont nuls. J'ai ce produit-là qui sert à faire des cicatrices, il est très fort. Il sert à faire comme les cicatrices d'Harry Potter par exemple, c'est ce produit-là qui sont utilisés. J'ai du mastic, enfin du mastic gomme, de la Prozed. Là c'est du latex en petit pot comme ça, mais ils sont vraiment nuls. Mais bon, je le garde, hein, je le garde. J'ai des capsules de sang comme ça, je les garde, ça peut être bien pour faire des effets. J'ai du sang coagulé. Et des petits strass aussi que je mets de côté, voilà. Ça c'est bon. Voilà, là j'ai une palette de fard à l'eau que je vais mettre par dessus quand j'aurai tout remis là dans le fond. Hop. Bon, ça c'est un dentier horrible, mais je le garde quand même, on sait jamais. Une mousse à barbe, toujours pour faire les éclaboussures de sang, c'est le top. Voilà, elle est un peu serrée, mais c'est bon, tout est rentré. Après, j'ai cette énorme palette de chez Makeup Revolution, pardon. C'est une énorme palette, hein, comme vous voyez, mais pas très pigmentée, du coup je la garde, mais en soi elle ne me sert pas à grand chose. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des noms d'associations pour donner du make-up, je veux bien dans les commentaires que vous me les mettiez, parce que il y a plein de make-up qui sont ouverts en fait, du coup je veux pas les jeter parce qu'ils sont encore bons, mais je les utilise pas, du coup si je peux les donner, moi ça me va. Par exemple cette palette, je peux pas la donner, enfin je peux la donner parce que je l'ai quasi jamais utilisée. Il y a quelques fards que j'ai grattés, mais en soi je l'ai quasi jamais utilisée, et puis voilà, ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ensuite, j'ai mes fossiles que j'ai rangés dans cette boîte là. Je n'ai pas tous rangés. J'en ai d'autres là. D'ailleurs, on va le faire ensemble, je vais les ranger. Je vais les ranger de suite, comme ça c'est fait. Ça annonce la couleur sur la qualité du fossile. Alors, j'ai arraché le truc et il y a tout qui est parti. Bon, c'est pas grave, je vais le là. Donc j'ai ceux-là, j'ai la boîte à fossiles qui est juste là. Là j'ai des lentilles, dont certaines qui sont ouvertes. Donc celles qui sont fermées, je peux me permettre de les garder sans forcément les vérifier parce qu'elles sont fermées, stérilisées, donc elles n'ont pas de raison de bouger. Voilà. Par contre, celles qui sont ouvertes, je pense qu'il faut toutes les jeter. Alors là, j'en ai un vide. Tous ceux qui sont vides, je vais les garder. Ah, celles-là, elles sont encore
Ouais, mais je pense que la date, elle est passée. De toute façon, je prends pas de risque, c'est les yeux. Donc, tout ça, poubelle. Enfin, pas la boîte. Je vais juste les nettoyer, mais je les mets de côté pour les nettoyer. Voilà, il y a la deuxième dent que je cherchais. Et j'ai du coup le liquide qui va avec. Et dans ce tiroir-là, du coup, c'est le tiroir où je mets les lingettes de maquillage. C'est les seuls moments quand je me maquille en mode un peu Halloween et tout, là, j'ai des lingettes démaquillantes. Donc c'est à ce moment-là que je les utilise. J'ai d'autres boîtes de fossiles individuelles, ça c'est le top. Moi j'adore, je sais pas vous, mais moi j'adore. En tout cas, pour porter dans le quotidien, c'est le top. Si vous n'avez pas les moyens de vous faire des extensions de cils, ben voilà. Ça c'est vraiment cool. Ben enlever tous les soirs évidemment. Je le dis quand même au cas où, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Et par contre, ça c'est un risque pour vos yeux. Ensuite, dans ce tiroir là, je pense que je vais arrêter là. Ouais, je vais arrêter là. Je pense même pas si je vais arrêter là. Voilà, donc j'ai fait mon petit tri. J'ai quelques produits là encore qui me restent. Là c'est de l'eau pour mettre dans ma palette de fard à eau. Là c'est ma colle à fossiles que je vais ranger aussi là. Ça c'est des fossiles bisous que je ne veux plus, je vais les mettre à donner. De la colle à fossiles et ça, ça va dans l'esthétique. Ouais, tout ça c'est bon, ça va dans l'esthétique. Et ben voilà, c'est tout bon pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais quand même vous montrer tous les tiroirs une fois fait. La boîte effets spéciaux, là tout ce qui est démaquillant, là tout ce qui est pour les lentilles et les lentilles. J'ai mis des colles, mais bon voilà, rien à voir. Mais voilà, mes petites éponges de secours. Là c'est la boîte rouge à lèvres et les extensions. Tout est bien rangé, donc les éponges, là ça va être tout ce qui est mascara, tout ce qui est crayon, lèvres et yeux, des liners, là ça va être base liner et sourcils, là les monofards que j'en ai pas beaucoup, tout ce qui est rouge à lèvres, c'est ça les palettes que je vois, je les ai fait fondre. Tout ce qui est teint, ouais, tout ce qui est teint, blush, palette, teint, yeux et les échantillons. Voilà voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.